l'honneur aujourd'hui du Niger. Merci. Voilà. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette salle Sitabela. Salle Sitabela qui rend hommage à la première cinéaste africaine, pilote, journaliste. Et comment ne pas tenir le Ciné Club K dans cette salle? Nous sommes à la 12e session du Ciné Club K. Et comme la dernière fois, on s'ouvre sur l'Afrique. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur, le privilège et le plaisir d'accueillir une icône du cinéma africain en la personne de Madame Ramatou Keïta, que je vous demande d'applaudir très fort. Madame Ramatou Keïta est là, tu peux venir avec moi, Ramatou. Je suis cinéaste et on se tutoie et c'est difficile que je te vous voie. Parce que j'en ai l'habitude. Sois la bienvenue. Merci, c'est un plaisir d'être là, merci beaucoup. Ben oui, et aujourd'hui nous allons donc regarder ton film « Alessi ». Je prononce bien ? Alessi. Alessi, qui signifie en sonraï. Un destin. Un destin. Donc c'est Alessi, une actrice africaine. Je vais donner le résumé en quelques mots et tu nous diras pourquoi tu l'as fait ce film. Parce que c'est un film fort. C'est un film qui a gagné des prix. Et comment ne pas la remercier d'avoir accepté d'être là? On te remercie une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Donc, Alessi, c'est un documentaire de 70 minutes dans lequel Madame Ramatou Keïta nous raconte comment dans les années 60, Zalika Soulé, qui est la première actrice de cinéma du Niger, voilà, lui raconte un peu les péripéties, comment elle a joué, comment elle a été la première, comment elle a vécu ce moment-là. Mais en dehors de cela, elle nous fait aussi comprendre que le Niger, vous le saviez, vous les Camerounais, que le Niger est le premier pays africain, en dehors de l'Égypte, à créer une industrie cinématographique. Dans mes recherches. Ah, mais c'est formidable. C'est bon à savoir. On n'est pas les premiers, les Camerounais, hein, pas toujours. Bon. Pas pour le cinéma. Et donc, nous avons Mustapha Alassane et Oumaru Ganda, qui sont les premiers cinéastes, et Zalika Soulé, la première femme, à accepter de jouer dans les films. Alessi, un destin en son rail, raconte dans l'histoire des pionniers du cinéma africain. Alors, Ramatou, oui. Avant qu'on ne regarde ce beau chef-d'œuvre qui a gagné, qui nous a représenté à travers le monde, qu'est-ce qui t'a poussé donc? C'est en 89 que tu l'as tourné? Entre 2000 et 2001. En 2001. Et le film est sorti en 2000, la partie vidéo télé en 2004 et la partie film en 2005, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais voilà, c'est un film, voilà. Et c'était ton premier long métrage après? C'est mon premier long métrage, c'est le premier film nigérien qui a été en sélection officielle au Festival de Cannes, qui reste toujours le premier film nigérien en sélection officielle au Festival de Cannes, et c'est le premier documentaire africain en sélection officielle au Festival de Cannes, parce que le Festival de Cannes est un festival de fiction, c'est pas un festival documentaire, donc c'est vraiment extraordinaire qu'un documentaire soit pris, parce qu'un documentaire c'est aussi un film, hein, c'est oui, juste un autre traitement, et que soit pris en sélection officielle au Festival de Cannes. Et je parle de ce festival parce que c'est un des plus grands festivals du monde. Il a été pris aussi à la Berlinale, qui est aussi un des plus grands festivals du monde et dans les plus grands festivals du monde. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il est ici aujourd'hui. Mais je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a poussé en quelques mots, parce que tout à l'heure on va en parler. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à ce moment-là à faire ce film? C'est-à-dire que un jour, je me suis demandé que sont devenus les gens qui faisaient des films quand on était petit, parce que je n'entendais plus parler d'eux et qu'ils avaient complètement disparu. Donc je me suis mise à les chercher. J'étais journaliste, j'avais commencé à faire des courts-métrages et documentaires. J'étais journaliste à la télévision française. Je travaillais pour une émission, un magazine d'information de France 2. Et donc, qui s'appelle La Cité Anglaise. Et donc, je commençais à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont disparu? Donc, je suis allée à leur recherche. Ça a duré des années pour les retrouver parce qu'on ne savait plus où ils étaient, parce que certains étaient éparpillés un peu partout, parce qu'ils ont arrêté de faire des films, parce que l'âge
de gloire de notre cinéma s'est subitement arrêtée. Donc c'est comme ça que je les ai retrouvés et je voulais rendre justice parce que quand on ne connaît pas son histoire, on croit que chacun qui vient croit que c'est lui qui a commencé. Tout à fait. Mais il y a des gens qui ont tracé des traces, qui ont labouré avant nous. Je pense qu'il faut honorer, qu'il faut remercier parce que c'est grâce à eux qu'on est là. C'est comme le grand Essomba qui est là et puis toute la palette des cinéastes camerounais qui sont là. Voilà, c'est grâce à vous qu'on est là aussi et moi je suis d'une culture où on rend hommage à ceux qui nous ont précédés. Chez nous, pour grandir, il faut honorer le père. Ben oui, applaudissons pour ces aînés-là. Voilà. Merci. Dis toujours, en Occident, pour grandir, il faut tuer le père. Donc, ça ne donne pas le même résultat. Je ne sais pas qui a raison, mais ça ne donne pas les mêmes résultats. Nous, on honore le père. On garde notre tradition. Et voilà, donc c'est comme ça. Et puis, quand on commence un projet comme ça, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, on ne sait même pas si ça va se faire. Hein? Donc ça a duré des années, ça n'intéressait pas grand monde, ni en Afrique, ni ailleurs, parce qu'on disait, oh les pionniers du cinéma, qu'est-ce que tu veux nous raconter là? Bon, moi je tenais à mon projet, c'est pour ça que quand vous avez un projet que vous y tenez, il faut aller au bout. Je tenais à mon projet, je l'ai fait, et c'est devenu un des chaînons manquants à l'édifice de l'histoire du cinéma. Parce que le cinéma a un peu plus de 100 ans et la partie africaine n'y était pas encore. Et ce film est enseigné dans les universités américaines. C'est une référence pour connaître l'histoire du cinéma et comment le cinéma est arrivé chez nous. Merci beaucoup. Là, maintenant, vous avez un avant-goût de ce que vous allez voir. Merci, Ramatou. Je voudrais annoncer quand même que tout à l'heure, nous allons en débattre avec Léontine Lomgoy, que tout le monde connaît déjà, qui est une grande cinéphile et qui nous dira son point de vue. Bonsoir Léontine. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Nous allons donc nous retrouver tout à l'heure et nous allons nous installer pour déguster ce beau chef-d'œuvre. Je vous assure, pour ceux qui aiment les documentaires, voilà un chef-d'œuvre. Asseyez-vous et redécouvrez-le. Soyez les bienvenus une fois de plus. Au nom du président de la République, en vertu du pouvoir que nous sommes conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national de l'Union. Camarose family lere anipata anipata so family you amini minia alega lega madi shikomada awaina wali mister wala sta mini minia bolele shatu bolele nga hankan ai diesel mara wodi wai sidin yana go zanka kaina ai gonde ha sai fokan soje no to watinga kaga fulan zam nguno da ngani kwarbura go ko silmai ga konda ai wodi wai sidin yana zama ga isan buno wodi wasifu nai bun wara ga isan buno ga koto irmu koi silma kuwa ne ka bu wono ya ga abu daga sai kenan. Il y a des scènes, par exemple, où Djingerey devrait. Djingerey est venu sauver Zelika. Donc, lorsque Djingerey l'a pris dans ses mains, il devrait l'embrasser. Bon, entre-temps, Djingerey dit que lui, il n'a jamais embrassé une fille. Et que des choses comme ça, ce n'est pas dans la religion, c'est des affaires de blanc. Que lui, il ne veut pas faire ça. Moustapha lui a dit mais il faut le faire, puisque. Le contexte dans lequel on se trouve, c'est un western. Donc, il faut le faire avec tout ce que ça comporte. Djingerey dit qu'il ne sait pas faire. Donc, on a arrêté le tournage. On les a dit d'aller de côté pour qu'on puisse apprendre à Djingerey, à donner un baiser.
nube buka fora buka fojer ganirgo nono irgiri ginegi sin batu ni saga buka en to buka dindo ine irum koy hambar boray ginno ha goga goga di irum koy buka banda adam manu men enon sta sadi uta sadi di tasa Merci, applaudissez une fois de plus pour ce chef-d'œuvre. Quelle émotion. Je l'ai vu déjà 3 fois ton film. Mais j'ai l'impression de le voir pour la première fois. Merci beaucoup pour ce chef-d'œuvre. Merci pour ce film qui nous raconte notre cinéma. Le cinéma camerounais, le cinéma nigérien. Tous les cinémas d'Afrique parce que les cinémas d'Afrique sont pluriels. Merci beaucoup. Je vais pas, moi, si je prends la parole, je vais la monopoliser. Je voudrais que tu aies d'abord la réaction de notre cinéphile convaincu, qui est Léontine Lomgoy. À toi, Léontine, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Alors, je suis toute remuée. La première impression que j'ai, c'est que ce film vraiment reflète l'authenticité. L'authenticité des réalités africaines. La réalisatrice nous a servi de belles images. Nous avons eu droit à des sons, des personnages hauts en couleur, des traditions fortes. Ça, c'est l'authenticité de l'Afrique. Et surtout, je peux dire que le style, parce que le conte, moi j'ai vécu ce film, c'est-à-dire c'est une narration. Alors le conte, de bout en bout, ça c'est vraiment le film, c'est une marque d'originalité. D'habitude, les films africains que nous voyons ici au Ciné Club K, c'est pas vraiment des contes, c'est mon premier grand conte. Que je suis comme ça de bout en bout et je suis séduite, réellement séduite. Ah, c'est bien ça, c'est bien pour un début. Je suis sûre que tu auras d'autres questions. Alors, ça te parle ce qu'elle vient de dire? Oui, bien sûr. Je pense que ce qu'elle dit est juste quand elle parle de profondeur de culture, d'authenticité. Voilà, moi je transmets nos cultures. La question de l'authenticité, bien sûr. Tourner, c'est sur une journée. Si vous avez bien remarqué, ça part du premier chant du coq aux dernières lueurs du jour avec la dernière prière de la journée, hein, qui est quand la nuit tombe. Et j'aime le quotidien chez nous. Et j'ai voulu transmettre ce quotidien. D'ailleurs, quand j'ai fini le film, que je l'ai regardé, j'ai dit, mais je crois que j'ai raconté mon enfance. Ah ouais. Aussi, les femmes qui pilent pendant la sieste. Alors c'est des jeunes filles qui pilent pendant la sieste et qui font leurs commentaires, qui font leurs confidences, des histoires d'amour, des histoires. Et pendant qu'elles pilent, il y a le bruit et donc on n'entend pas ce qu'elles disent. Et nous petites, pendant la sieste, on tend l'oreille pour voir si entre deux bruits de pilons, on va entendre les confidences qu'elles se font. Voilà les bruits du jour, la façon de faire la cuisine. Ce rythme de la journée, en plus, oui, tout à fait. On a un rythme qui est dans le Sahel, en tout cas, qui est très lent, très très lent. On prend son temps. C'est comme si le temps est accroché aux feuilles des arbres, parce que quand on a vécu à l'étranger et qu'on a l'habitude de dormir tard, par exemple, moi quand je suis à Niamey, j'attends toujours minuit pour dormir. Minuit n'arrive pas. C'est long. C'est très lent. Donc je voulais aussi décrire ce temps long. Ce temps lent dans lequel on vit. Et vous savez, en Afrique, très souvent, les gens disent les Blancs ont la montre, mais nous avons on le temps. On a le temps, exactement. Voilà. J'aimerais que ces choses restent. Bien sûr, les choses bougent, les cultures changent, mais c'est vraiment dommage parce que ce qui manque aujourd'hui au monde, c'est le temps. Et nous l'avons. Donc ce serait bien qu'on garde le temps. C'est une richesse. C'est quelque chose que nous avons inventé. Merci beaucoup. Moi, ça m'a rappelé les fables. Quand on était encore à l'école primaire, je ne suis pas très jeune, hein, mais je me rappelle, le coq chante, le jour paraît, tout s'éveille dans le village.
pour que le bon couscous soit prêt. Femme debout et du courage, pilon, pan, pan. Et quand je regardais ça, ça m'a replongé là-dedans. En tout cas, merci beaucoup pour ce conte, Léontine l'a dit. Je vais me tourner vers la salle parce que si on commence ici, on vous oublie, mais je me ferai une grosse erreur. Parce qu'aujourd'hui, franchement, vous êtes un public de qualité. Je suis très heureuse d'avoir dans la salle l'ambassadeur du Niger au Cameroun et son épouse et ses collaborateurs et la communauté nigérienne. Are we not lucky? Je pense, Excellence, merci d'être là. Nous avons besoin de ce soutien parce que ce que nous sommes en train de faire ici, on ne l'a pas dit suffisamment, on est en train de faire la diplomatie culturelle. Le pont que nous sommes en train de lancer, c'est pour l'Union africaine culturelle. Et peut-être que ce sera tout simplement l'Union africaine. Alors merci d'être là. Merci à tous ceux qui sont là. Moi, je sais que vous avez vu le film de bout en bout. Je vais passer la parole, tout naturellement, que vous nous disiez ce que vous avez ressenti. Vous avez votre jeune compatriote, votre jeune, relativement jeune compatriote. Elle a fait ce film il y a longtemps. Peut-être qu'avant, ce qu'elle a raconté, vous retrouvez là-dedans. Est-ce que vous pouvez passer le micro à son Excellence avant que, voilà, on fasse le tour de la salle, pour qu'il nous donne son avis? C'est très important parce que je pense que ce qu'on a raconté dans ce film vous a touché. J'avais l'impression, moi, à un moment, vous alliez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais bon, ce que vous dites est toujours d'une grande importance. À vous, Excellence. Il est très magnifique. Et puis, merci beaucoup à Ramatou qui nous a rappelé de notre culture et tout. Mais ce que j'ai vu est très touchant. Et puis, c'est vraiment touchant. Je ne veux pas aller très loin. Mais tout ce qui a été dit, je sais que vous avez enregistré. Nous comptons sur vous pour tout ce qui a été dit, qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce qu'on peut apporter, mais également, je sais que vous avez apprécié le bonheur que la place que le cinéma donne à la population nigérienne. Donc, il est important que les choses soient faites. C'est des choses que nous connaissons, c'est des choses que nous avons vues depuis très longtemps, que nous avons oubliées aujourd'hui, et que nos enfants peuvent peut-être, ici je sais qu'il y a des familles qui ont amené aussi leurs enfants, pour leur montrer nos cultures en fait, notre histoire, puisque je vois que dans nos jours, le cinéma comme on l'a vu est déjà oublié en fait, mais on est en train de le revivre. Non. Alors, Madame Ramatou Keïta, là, tu as le représentant du chef de l'État. Hein? Il vient de dire des choses. Est-ce que ton film est d'une actualité criarde? Oui, ouais? D'une certaine façon, mais en même temps, ce film, avec le constat qui a été fait, a fait beaucoup changer les choses au Niger. Alors, on veut que ça continue, bien sûr. C'est-à-dire que... notre cinéma était complètement retombé après ces années de gloire que vous avez vues, les westerns et puis d'autres films avec Oumar Ganda, Mustapha Alassane, Mustapha Diop, Maman Bakabé, enfin tout ce monde-là. Et puis ça, c'était tombé. Vous savez, quand on vient faire le point sur les choses, il y a plusieurs raisons, toujours, on ne sait pas. Comment ça a commencé, pourquoi c'est retombé. Enfin, on essaye toujours de faire l'historique, de voir d'où ça vient et tout ça. Donc, j'essaie de faire ce constat-là. En tout cas, ce film marque la renaissance du cinéma nigérien parce qu'à partir de ce film, ce film a fait que le Niger est revenu sur les scènes internationales et qu'on s'est rappelé de nos anciens films. D'ailleurs, la plupart du temps, quand mon film était en sélection officielle ou en compétition dans un grand festival, il prenait un autre film du Niger, un de ses anciens films, pour le projeter en même temps, alors que c'est des films qui ont 40 ans et plus. Et aussi, par le triomphe de ce film, j'ai pu faire créer le Centre national du cinéma du Niger. Voilà, au moins pour créer les bases pour relancer notre cinéma.
Donc, voilà. Oui, ce film, en fait, qui voulait un peu parler de la mort du cinéma, plutôt ressusciter le cinéma nigérien. Voilà. Et je pense que ça continue avec votre film Zinaria, qui est allé aux Oscars et tous les autres. Je pense que ce n'est pas les seuls. Comme quoi, malgré ce que vous avez dit, il faut continuer. Il faut continuer et votre film nous montre à nous tous hein, qui sommes au Cameroun que même si on se plaint, il faut continuer à faire les choses. Oui, et de faire ce film, enfin, je ne le faisais pas pour relancer le cinéma. D'ailleurs, moi quand j'ai commencé à écrire cette histoire, que j'ai voulu les revoir parce qu'ils avaient disparu, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais journaliste à la télévision, je cherchais à faire un petit court-métrage pour raconter une petite histoire, mais comme je trouvais aucune télévision voulait le prendre, et d'ailleurs que je ne trouvais pas de fonds, j'ai eu des fonds bien plus tard, donc je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai fait le film que je rêvais de faire, et donc ça a donné un long-métrage qui a été donc dans tous ces grands festivals, parce que si ce n'était pas un long-métrage en 35 mm, il n'aurait pas eu toute cette carrière. Et c'est comme ça qu'on découvre, voilà. Alors, j'ai voulu raconter donc, l'histoire des pionniers du cinéma africain, nigériens au départ, après je découvre que c'est eux les pionniers du cinéma africain. J'ai voulu la raconter, cette histoire. Et petit à petit, en cherchant, parce que c'était très riche, il y avait beaucoup de choses, ils ont fait beaucoup de films. Et est-ce qu'il faut commencer par le premier? Mais est-ce que le premier est vraiment le premier? Est-ce qu'il y a le dernier? Parce que je pensais qu'il y aurait le dernier, mais finalement je suis là, pour la fiction en tout cas. Et puis finalement, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire à travers la carrière de la seule femme qui a accepté de jouer avec eux? Parce qu'il y avait des femmes dans les films, mais dès qu'elles montraient le bout de leur nez, elles se faisaient insulter et elles couraient se cacher. Et elle, Zalika Soleil, j'ai jamais compris comment elle a fait. Tu disais même qu'elle t'a intriguée. C'est pour ça que tu as fait le film. Elle t'a intriguée. C'était intriguant parce que moi, chez moi, enfin, ça doit être pareil d'ailleurs au Cameroun. Quand on commence à vous insulter, on n'insulte pas que vous, on insulte le père, la mère, la grand-mère, les cousines. Donc, dès que quelqu'un vous attaque, vous allez vous cacher sous le lit pour pas que ça atteigne les autres de la famille. Elle s'en fichait, elle a fait ce qu'elle a voulu jusqu'au bout. Donc, ça m'intriguait de voir, parce que moi, même aujourd'hui, si je fais quelque chose qui ne plaît pas à Niamey, j'irai me cacher. Je ne veux pas qu'on insulte, voilà. Elle s'habillait comme les Blancs, comme elle a dit, alors que c'était mal vu à l'époque, parce que il faut voir aussi qu'on arrive aux indépendances. Beaucoup de pays sont en guerre, en tout cas, en guerre contre l'Occident pour les mouvements d'indépendance. Il y a le Congo, il y a l'Indochine, il y a l'Algérie, il y a les Mozambiques, enfin, tous ces pays-là. Rhodésie, tous ces pays-là. Donc, on est en guerre contre l'Occident. On est en guerre depuis le début de l'indépendance, de toute façon. Mais là, on arrive au bout. Et donc, tout ce qui va être montré de près ou de loin avec des Blancs va être mal vu parce que vous allez être considéré comme collabo des colonisateurs. Ce fait-là fait que les gens... ils ont rejeté le cinéma parce que pour faire un film, il faut quand même, surtout à l'époque... Encore maintenant, on a des équipes complètes. Mais à l'époque, il fallait quand même un ou deux Blancs dans l'équipe. Et donc, était rejeté. Ce n'est pas parce que c'était un pays musulman, comme ont cru certains, parce que sa mère disait, on ne voulait pas qu'elle fasse ça. Elle-même, elle dit, je suis musulmane de père, de grand-père, de machin. Pratiquante, je jeûne et tout ça. Et donc, ce n'est pas l'islam qui interdisait, comme certains ont compris. Et c'est pour ça le cliché est dangereux. Parce qu'on va dire, oui, c'est l'islam qui interdit. Non, parce qu'elle dit même à la Mecque, il y a des films. Ce n'est pas l'islam qui interdit. C'est les guerres contre l'Occident pour l'indépendance qui fait que les gens condamnent tout ce qui va être de près ou de loin occidental. Donc ça, c'était intéressant à souligner. Et aussi, donc j'ai voulu, à travers sa carrière, parce que quand je suis retournée chercher ces gens-là, j'ai voulu quand même faire témoigner une ou deux femmes
qui ont joué et qui sont reparties. Et bien, 40 ans après, elles ne voulaient toujours pas. Elles ne voulaient pas. Elles ne voulaient toujours pas. Mais c'est donc, pour ça, heureusement. Comment que... ça les a marquées, elles ne voulaient toujours pas. Mais elle jouait, elle a parlé comme si elle était toutes les femmes. Et pour moi, je n'ai même pas ressenti qu'elle était seule dans c'était le film. C'était la seule. C'était pourtant, la seule. Elle n'a jamais eu de grand rôle dans les films. Peut-être un seul, le Shaitan de Oumar Ganda, qu'elle avait. Qu'elle avait le rôle principal. Donc, elle n'avait jamais eu de grand rôle, mais elle a accepté de jouer dans tous les films. D'accord. Je vais passer la parole au doyen, parce que pendant que le film passait, Gérard Essomba, dont tu as prononcé le nom tout à l'heure, oui, également. Qui l'a bien connu. C'est hein, lui pour la transmission. Et pendant que le film passait, j'entendais tes réactions. Je suis sûre que tu l'avais déjà vu, mais ça te faisait encore quelque chose, grand frère. Je tiens à féliciter Ramatou, dont le nom, je crois, veut dire Lienne, chez vous. Ramatou Linguer. Chez nous au Cameroun, Lienne s'appelle Fourou. C'est un animal très dangereux, mort, n'est-ce pas? Excusez-moi, je vais me lever. Je n'ai pas l'habitude de rester assis. Pour le respect que je vous dois, madame, je vous assure franchement que ce film, quand je revois Zélika... Allez-y. Puisqu'on a tourné ensemble dans le film de Moustapha Diop, Mami Wata. Elle était jeune comédienne. Peut-être que la difficulté aussi pour elle, c'est qu'elle n'a tourné qu'en langue vernaculaire. Et vous savez qu'aujourd'hui, le cinéma, c'est une industrie où il faut mettre beaucoup d'argent et en gagner aussi. Mais quand vous faites tourner des acteurs, des actrices en langue vernaculaire, sorti de Yaoundé à Douala, il faudrait déjà le doubler. Donc il faudrait qu'il soit tourné en langue un peu plus internationale. C'est ce qu'on a eu un tout petit peu avec les comédiens avec qui on a tourné dans Mami Wata, dont Sotigui, Kouyaté, Siliki Bakaba, et toute la pléthore de tous les cinéastes qui, avant vous, avaient déjà commencé à faire du cinéma. Quand vous allez revoir le film de Moustapha Diop, il y a tous les artistes qui ont fait le cinéma, les cabarets, les Idrissa, ils étaient tous présents. Mais je veux quand même dire une chose. Le problème des Zélika, l'État du Niger, bien avant Ouagadougou, était le pionnier du cinéma en Afrique. Le premier western. Ouais. Vous avez vu. Quand on a vu ce western, je me souviens, je suis allé au doublage de ce western. Le film a été projeté au Toit Luxembourg à Paris. Non seulement il y avait des Africains dans la salle qui ont ri, mais il y a aussi beaucoup de Français qui ne comprenaient pas que déjà les Africains qui n'avaient jamais réussi à faire des films arrivent à tourner des westerns. De beaux westerns. Oui, de beaux westerns. Il était là. Puis, Omar Ouganda, qui quand même s'est révélé comme l'un des premiers à nous montrer que la couleur de peau noire n'est pas un obstacle pour la montrer sur les écrans internationaux, a surpris tout le monde. Bien sûr, il y avait la part de Jean Rouch qui a beaucoup formé à Niamey, le cinéaste. Et c'est d'ailleurs la grande valeur des cinéastes nigériens aujourd'hui, de voir qu'ils sont peut-être au-dessus de certains en Afrique centrale qui se contentent de faire des choses très, très villages, mais très faciles, qui permettent au cinéma occidental d'avoir sur nous une prédominance inimaginable. Vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point l'Afrique nourrit le cinéma occidental aujourd'hui. Wow. Je n'ai pas toujours l'habitude de prendre la parole parce qu'on dit que je parle trop, que j'ai une grande gueule, mais je mets seulement au défi quiconque que demain, ce qui est en train de se passer dans la plupart des pays occidentaux aujourd'hui n'est pas très loin d'arriver chez nous, qu'on se retrouve avec un ou deux États dans le même pays. Mais grand frère, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? À partir des films comme celui-ci, où on montre une actrice qui est morte dans la misère. Ce fut le cas de celle dont cette salle porte le nom. Excusez-moi. Sita Bella. Parce que quelques jours avant sa mort, elle m'a appelé. Elle a eu une crise cardiaque. Tout comme un autre cinéaste, Arthur Civita, qui lui est tombé raide
crise cardiaque, en plein au musée national. Alors, fait. Stop. Quand on se permet de construire des stades de 145 milliards de francs et qu'on méprise la culture de son peuple, ça pose un problème. Que nous avons aujourd'hui des footballeurs qui sont prêts à devenir chefs d'État. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'ils nourrissent le football occidental. Mais nous, nos acteurs ne nourrissent pas encore le cinéma occidental. Mais bien au contraire, nous recevons beaucoup de films occidentaux à travers des chaînes comme Canal+. Je n'ai rien contre, mais seulement, je pense que maintenant, il est temps d'appeler un chat. Stop, j'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, on a nos salles qui ont disparu. D'ailleurs, je le raconte dans le film, on avait beaucoup de salles. Qu'il faudrait que ces salles reviennent. Ça, c'est une chose. Par rapport aux langues, moi, je fais tous mes films dans nos langues. Moi, je trouve que c'est très, très important. On va sous-titrer, on va doubler. Vous savez, les Chinois font des films en chinois. Les Chinois font des films en chinois. Les Japonais font des films en japonais. Les Coréens font des films en coréen. Il a eu l'Oscar... l'année dernière, il y a deux ans, il a eu... Parasite. C'était Parasite. Oui. Il a eu et l'Oscar du meilleur film étranger et l'Oscar du meilleur film tout court, qui d'habitude ne revient que au cinéma à un film américain. Il l'a eu. Et voilà, la langue n'est pas un problème, au contraire. La langue est vraiment une richesse. Si Gérard, tu veux bien m'entendre, parce que c'est à toi que je réponds, tu es en train de parler. La langue est vraiment une richesse parce que cette langue va donner une autre perspective au film. Par exemple, le dernier que j'ai fait, Zenaria, l'Alliance d'or, qui est dans mes trois langues, donc Hausa, Sonrai et Peul. En Zarmassani, quand on dit bonne nuit, on dit Irmkanbani ou Chinombori, c'est poétique, c'est que la nuit t'enveloppe de douceur, Chinombori, je veux dire, il n'y a rien de plus beau. Voilà, quand on traduit. Hein. Donc, moi, je trouve que c'est important, et d'ailleurs, j'ai un de mes combats, c'est de faire en sorte que le Amharic, une des langues officielles d'Éthiopie, soit langue officielle de l'Union, une des langues officielles de l'Union africaine oui. Parce que c'est un des plus anciens alphabets au monde, par exemple. Le monde passe son temps à dire l'Afrique, c'est l'oralité, on n'a pas d'écriture. Bon, l'oralité, c'est très bien, mais on a inventé l'écriture et on a des écrits qui sont plus anciens que certains. Donc, par exemple, j'ai décidé, moi, que tous mes films maintenant seront sous-titrés en Amharic. Et donc, nos langues sont importantes. Donc, je ne pense pas que le problème vient de la langue ou que... voilà, je pense que ça vient de créer... il faut qu'on crée nos industries de cinéma. Il faut qu'on ait nos salles de distribution. Avec notre identité. De cinéma. Il faut qu'on ait nos exploitants de salles. Il faut qu'on ait nos distributeurs, comme c'était à l'époque. Parce qu'à l'époque, tous ces films étaient dans nos langues et marchaient très bien. Et que l'État peut-être, parce que c'est Mustapha Alassane qui le dit, qui est mort aussi il y a peut-être 5 ans, c'est lui qui dit que l'État a mis tellement de taxes, parce que ça marchait tellement bien, que les taxes étaient tellement onéreux que le cinéma est tombé. Donc je pense qu'il faut faire un état de lieu de tout revoir. Ça. Il faut revoir ça. Je voudrais passer la parole au grand frère qui est là. Alors, je voudrais féliciter d'abord madame, c'est déjà fait, il a tout dit d'ailleurs, mais je vois que ce film-là aurait pu continuer dans d'autres pays africains, Afrique francophone, parce que j'ai retrouvé les mêmes problèmes. Je ne sais pas où, vous savez, où se trouve Dikong et Pipa, qui a eu les talents de Yenenga en 75. Les comédiens qui jouaient dans ce film, je ne sais pas, personne ne sait jamais où. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ce que vous devez dire, c'est de nous dire quel est le problème et qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que sinon, non, on va toujours poser les problèmes. Non, proposez, vous êtes un doyen et vous savez. Non, aidez-nous à avancer. Non, je n'ai pas la solution. Oui. Parce que on a
tous les mêmes problèmes. Et les problèmes qu'on a posés au Niger, c'est ça qu'on a posé ici. Mais au Cameroun, c'est les mêmes problèmes qu'on retrouve. Ce film est ici parce qu'on a les mêmes problèmes. Non. Mais grand frère, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, je vous dis que je ne peux pas vous dire ce qu'on peut faire là. Mais je dis que nos États doivent pas assez de moyens comme les autres, hein, comme en Europe. Il n'y a plus de ça décidément ici, comme au Niger, comme à Ouaga d'ailleurs, et même à Abidjan. Mais vous voulez que je vous annonce ce qui s'est passé à Abidjan récemment? Non. Non, je vais vous le dire. Non, moi je parle du Cameroun. Parce que ça peut nous aider, c'est un exemple. Nous avons appris par exemple que les artistes, tous les artistes, ont un salaire à la fin du mois. Ça aussi, c'est une manière de faire quelque chose, non? On s'éloigne. Bon, merci pour votre réaction. Passez le micro à Eloi Belanzana. Je dis bonsoir à Ramatou, que je remercie d'être parmi nous. Et en regardant le film, j'ai été touché par l'histoire, mais aussi surtout par l'environnement, le lieu, la localité, des rues que je connais, enfin que j'ai reconnues, parce que je suis resté au Niger 3 ans. Et émotionnellement, j'ai été touché en revoyant ce mode de vie, ces rencontres, ces personnes, ce mélange entre deux cultures. C'était pas seulement à cette époque-là, mais même aujourd'hui aussi. Ce débat se poursuit au Niger, au Cameroun aussi, où dans une famille qu'on peut croire également moderne, on continue de penser que la jeune fille ne peut pas faire ci, n'est pas autorisée à faire ça. Donc le débat, il doit se poursuivre. On a bien vu à travers le film l'évolution également du temps. Et pour ça, je peux vous dire que j'étais très heureux d'entendre, vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, vous avez prononcé un mot, enfin un mot, vous avez dit bonsoir ou bonne nuit. Moi j'ai appelé un peu le Zarma, ou je peux dire Nikani Bané. Comment vous avez réussi? Malheureusement, aujourd'hui, paix à son âme, elle est décédée. Comment vous avez réussi à lui faire revivre ces moments douloureux d'insultes, d'humiliation, sans qu'aujourd'hui, elle ne ressorte les rancœurs que légitimement une personne peut avoir contre une société ingrate qui ne la reconnaît que parce que la Tunisie lui a donné une médaille, que Sankara l'a reçue et qu'enfin, seulement enfin, on peut la recevoir chez elle comme une héroïne. Malheureusement, elle le dit, héroïne de nom. Comment vous avez réussi à faire en sorte que, dans le film, c'est vrai qu'elle se montre assez dure. Ça peut s'expliquer aussi. La maman a dit qu'elle avait des batailles contre les garçons. Je ne vois pas des larmes couler et ça montre le caractère de la personne. Donc ma question est, comment vous avez réussi à lui faire revivre ces moments-là sans tellement la toucher, la blesser ou alors elle savait le cacher? Merci beaucoup. Merci Éloi. Alors, comment tu as réussi à le faire? Les choses sont plus équilibrées que ça. Les choses ne sont pas complètement sombres ni complètement claires. Et puis chacun a quand même une responsabilité, pas toujours dans ce qui lui arrive. Et je pense aussi que cette femme était un personnage, hein. C'est un vrai caractère. Et c'est intéressant que vous arrivez à souligner ça. C'est-à-dire qu'elle était petite fille déjà, elle cognait sur les garçons. Donc elle n'a pas attendu le cinéma pour cogner sur les garçons. Donc déjà quand elle était petite, les garçons l'énervaient. Alors, et donc c'était un personnage, et peut-être une tête dure aussi, parce que ça raconte aussi l'histoire des enfants peut-être maltraités, parce qu'elle raconte comment... Elle se faisait battre par sa tante à qui on l'a donné. Bon, je pense aussi que j'ai certainement une façon d'approcher les gens avec beaucoup de respect et de pudeur. Et peut-être c'est mon talent aussi d'arriver à lui faire dire les choses avec aussi du recul. Mais le cinéma, c'est le rêve. Et à la fin... Elle a aimé aussi jouer au cinéma. Peut-être que ça a essayé de... Mais elle a aimé depuis le début. Depuis le début. C'est pas la fin seulement. Malgré tous les problèmes. Sauf que, ben oui, d'abord, c'est des gamins de 18 ans qui s'amusaient avec des colts, des fusils, des trucs, montés à cheval, rigolant, on les filmait. Bon,
Et puis après, ils se sont rendus compte que c'est un vrai travail, ils se sont lancés dedans. Mais c'est des choses qu'ils ont aimées tout de suite. Elle n'a pas attendu la fin pour c'est aimer ça. Le Léontine, cinéma. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais demander à Ramatou. C'est vrai que le documentaire, c'est un genre. Bon, mais dans le cinéma, nous voulons rêver. Est-ce que quelque part, le destin, j'allais dire vraiment la fin tragique, misérabiliste de l'actrice, n'aurait pas pu être changé? Est-ce que vous n'auriez pas pu entrevoir une lueur d'espoir, notamment dans un pays, dans une région soudano-sahélienne, où vraiment les traditions sont fortes en ce qui concerne les femmes, pour que, comme quelqu'un l'a dit, au cinéma, n'importe qui peut être n'importe quoi. On aurait pu envisager, par exemple... C'est en Amérique, il a dit pour Reagan, qui est devenu président. D'accord. Qui était un petit acteur de série B, qui devient président. Il dit, ben là-bas, n'importe qui peut devenir n'importe quoi. Bon, voilà. Mais justement, en Afrique, est-ce que n'importe qui ne peut pas devenir n'importe quoi grâce au cinéma, justement? Bon, vous savez, ce film a été tourné... en 2000-2001, et effectivement, à la fin, il y a écrit qu'elle avait émigré et qu'elle était devenue femme de ménage dans un pays étranger. Mais entre-temps, les choses ont bougé, puisque je vous ai dit, j'ai fait créer le centre de cinéma. Entre-temps, elle est revenue au Niger. À l'époque, la femme du chef de l'État, c'est Hajar Larba, la femme du président Tanja, paix à son âme, l'a reçue, l'a aidée, l'a même fait l'a envoyée à la Mecque, parce que chez nous c'est très important le pèlerinage à la Mecque. Entre-temps, elle a eu aussi un poste à la haute autorité à la communication, je ne sais pas comment ça s'appelait avant, donc elle a eu un poste avec un salaire. Donc avec ce film, elle a été réhabilitée. D'ailleurs, elle est morte au Niger, et donc elle était revenue. Dans son pays. De son exil. Donc, je ne dis pas que ça a été foisonnant, mais elle a eu cette reconnaissance parce que moi, je voulais rendre une justice parce que ces gens avaient complètement disparu. C'est-à-dire, encore peut-être Mustapha Alassane ou Oumar Ganda, on se rappelait d'eux, mais elle, quand j'ai envoyé mes assistants chercher des archives, parce que je me souviens quand on était petit à la radio, il y avait des informations qui disaient que tel film a eu un prix, etc. Et quand je parlais, alors par pudeur, par respect, les assistants me disaient on ne trouve pas. Et puis un jour j'ai éclaté en colère, ils m'ont dit, tu sais Ramatou, aux archives nationales, on nous a demandé qui c'est cette dame. Et on n'osait pas te dire ça. Et là, les bras me sont tombés. J'ai dit, c'est pas possible. Il faut vraiment que je raconte l'histoire de cette équipe-là. Et c'est comme ça. Mais voilà, donc les choses se sont un peu rétablies. Les gens l'ont aidé, le gouvernement, etc. D'ailleurs, je pense une fois, elle a été malade. C'est le président Mohamed Issoufou qui l'a fait envoyer pour se soigner en France, qui a pris en charge. Voilà. Donc, une fois que cette histoire est sortie, on n'est pas aussi les derniers des barbares. Tout n'était pas complètement noir, alors. Les gens ont participé, l'État et tout ça. Ils ont soutenu comme ils ont pu. Mais effectivement, cette idée d'avoir, par exemple, pour les retraités qui n'ont pas eu de salaire régulier pour qu'ils aient une retraite confortable et de donner symboliquement, comme en Côte d'Ivoire, c'est 300 000 par mois. Ça, c'est une idée qu'on c'est peut apporter à nos artistes qui ne vivent pas de leur art d'une part et qui ont des fins plutôt financièrement, financièrement très dures. Oui, voilà. Merci beaucoup. On parlait de femmes et je voudrais passer la parole à la présidente de l'ADAMIC, Élise Kameni, qui a demandé à prendre la parole. Élise, vous êtes un groupe de femmes, vous militez pour la survie du cinéma, ou plutôt le développement du cinéma. Alors, qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Bonsoir. Bonsoir. Bon, le film, vraiment, je vous dis un grand bravo. Parce qu'en fait, ce film m'a fait revivre les années du cinéma camerounais. Parce que nous nous reconnaissons dedans,
Pourquoi? Parce que c'est presque la même histoire avec ces actrices qui étaient là avant, qui ont disparu de la scène, qui sont malades, on ne les a pas cherchées. Et ça nous réveille d'aller vers elles aussi. Et les salles qui sont fermées, peut-être là-bas chez vous c'est fermé. Ici, c'est devenu des centres de commerce. Souvent, je ne sais même pas, je me place devant une salle, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'étant enfant, j'allais à la BIA, j'allais au Capitole. Et quand tu arrives, c'est devenu une salle de commerce. Mais en dehors de la BIA, il y a d'autres salles qui ouvrent quand même, même si ce n'est pas le même. Non, il n'y a aucune. Est-ce qu'il n'y a pas un espoir? Ici, à Yaoundé. On a Citabella. Oui. On a, c'est, bon, Citabella, oui. On a les canals Olympia, même si ce n'est pas des salles camerounaises. Il faut, oui, les remplir, non? Sauf que nous, on aimerait, c'est un peu l'espoir, on pense comment on partait là-bas les matins, les samedis matins, les dimanches soirs, tous les week-ends, quoi. On pense et puis on est nostalgique, quoi. On aimerait, moi je suis allée en Gaoundéré, la salle est carrément fermée et c'est dans la broussaille. Bon, je profite de ça pour dire au directeur de la cinématographie qu'il peut vraiment nous négocier ces salles-là. Et je remercie qu'il soit là. Sinon, l'histoire m'a touchée parce qu'en fait, c'est notre histoire aussi. Bien sûr. Et la manière de la raconter, c'est comme si vous êtes venu au Cameroun prendre une actrice, quoi. Merci beaucoup. L'histoire des actrices camerounaises, et je parle sous ton contrôle, nous avons l'une des actrices qui a joué dans Munamoto. C'est Tarzan en plus. Ah oui, il est en noir et blanc, c'était en noir et blanc. Passez le micro à Madame Douala Toto, Marthe Douala Toto, qui est l'une de nos plus anciennes actrices, qui est encore en activité et qui nous rend honneur en étant ici tous les soirs, tous les jours on a le Ciné-Club K. Merci d'être là. Applaudissez pour Douala Toto, Marthe Douala Toto. On a parlé d'une actrice africaine et tu en es une. Oui, je vais dire toutes mes félicitations et mon admiration vers Madame Ramatou pour ce chef-d'œuvre, vraiment. Merci. Je suis particulièrement touchée. Parce que ce film me rappelle mes débuts au théâtre. Quand j'ai commencé, je n'avais que 14 ans. Et pour moi, dans la famille, j'étais stigmatisée. On me traitait de tous les noms. Je suis notre... Zalika. Zalika Soulé. Et je crois qu'il y en a beaucoup ici au Cameroun. Et comment tu as surmonté ça? Pour continuer, c'était... Pour continuer, je ne regardais pas derrière, j'ai foncé. J'ai dit, j'aimais le théâtre, c'est ma passion. C'est à partir de là que je me suis affirmée. Le théâtre m'a tout donné. C'est-à-dire... Jusqu'à aller au cinéma, c'est là que j'ai fait mon école. L'école de la vie, c'est le cinéma. Voilà. Bravo, applaudissez. Hein. Moi, je... Merci. Je pense que dans toutes les familles, les parents n'aiment pas que les enfants prennent un chemin artistique. Parce que l'art est aléatoire. On ne sait pas si ça va marcher ou pas. Il y a des chefs-d'œuvre qui n'ont jamais marché. Il y a des grands peintres, regardez les Van Gogh et tout ça, qui sont morts dans la misère et maintenant on vend leurs tableaux à des centaines de millions de dollars. Donc les parents, effectivement, tous les parents du monde en général, ils préfèrent que leurs enfants aient un travail, un métier, un salaire à la fin du mois. Moi, ma fille, moi je suis une réalisatrice. Et ma fille, elle est aujourd'hui actrice et réalisatrice. Elle a fait son premier film à 17 ans. Elle est début vingtaine. Et quand elle m'a dit qu'elle voulait faire ça, elle a eu un bac avec mention. Elle était en Pocagne, donc dans les grandes écoles à Paris. Je lui ai dit, écoute, moi je ne t'interdirai pas de faire... Moi, ça ne me plaît pas. Même toi. Je ne t'interdirai pas de faire. Si tu fais, je t'accompagnerai. Mais ça ne me plaît pas du tout. Parce que tu vois très bien comment c'est dur. Et voilà. Et je lui ai dit ça. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que même moi, j'ai dit à ma fille, je préfère que tu aies un métier. Parce que les parents ont besoin, ont envie
que leurs enfants soient installés, n'aient pas de problème d'argent, n'aient pas de problème de boulot. Or, l'art, ce n'est pas ça. Donc, ça, c'est dans, je pense que ça, c'est partout. Mais c'est un métier, puisque nous le répétons tout le temps. Mais il n'y a que des métiers. Ce n'est pas un métier, qu'est-ce c'est qu'il des faut passions. Faire c'est des passions. C'est des passions. Si on n'a pas la passion, on ne fait pas ça. On voilà, peut pas c'est rester. Déjà une chose. Moi, j'ai passé 8 ans de ma vie à faire ce film-là. Aujourd'hui, quand je pense à ça, si je savais que ça allait mettre 8 ans, je n'allais pas le faire. Mais c'est-à-dire, tous les 6 mois, vous avez une promesse. Vous pensez que ah, dans 6 mois, je vais le faire. Dans 2 mois. Donc, jusqu'à le temps passe, jusqu'à 8 ans, jusqu'à un jour, on appelle, on dit, ah, il y a tel fonds qui est arrivé, tel fonds qui est arrivé. Et en général, ce n'est pas le total. Et vous dites, bon, ben, allez, j'y vais, parce que sinon, je ne le ferai jamais, parce que je suis déjà resté 8 ans à galérer. Donc, au moins qu'on voit un résultat. Parce qu'en plus, ce qu'on fait... Tant que vous n'avez pas montré l'objet, les 8 ans de travail là, c'est comme si vous n'avez rien fait. Personne dira que vous avez... Vous savez, vous venez là, vous rentrez voir un film, vous restez 1h30 voir un film, vous vous levez, vous partez, vous ne savez pas qu'il y a 8 ans de travail, de larmes, de souffrances, de frustration, voilà. Vous ne savez pas. Donc, c'est des passions, c'est pas un métier. Merci, c'est la passion qui justifie passion même cette ténacité et c'est important. Oui. Ouais, vous avez eu la passion. Oui, oui, c'est la passion. Et puis je ne regrette pas parce que aujourd'hui vous avez fait un film sur moi. Ben parce oui. que le film que je viens de voir là, oui. moi je vais dire que c'est mon histoire. Oui. Donc je regrette pas. Et il y a une chose qui m'a marqué dans votre film, c'est que vous avez fait ce film il y a longtemps, au moment où le documentaire n'était pas ce que nous, on voit aujourd'hui. Donc, vous avez aussi mis de la passion à faire ce documentaire. Vous Merci. Avez même mis beaucoup de moyens. Les gens, avant, quand ils faisaient le documentaire, ils ne mettaient pas assez de moyens. Je crois que je ne me trompe pas. Ça nous, et ça puis, justifie. Il y a un constat. Ça, c'était même la question que je voulais vous poser. Oui. Quand le film a commencé, vous avez commencé avec l'eau. Pourquoi élément l'eau et c'est fini aussi toujours dans l'eau? C'est ça. Pourquoi l'eau? Tu as l'eau. Commencé le film avec l'eau. Ah. Et tu as terminé avec l'eau. Oui. Pourquoi? Alors, parce qu'elle le dit au début, on a une ethnie chez nous, les Sorko. C'est les gens de l'eau. Ah. C'est les pêcheurs, c'est les gens qui vivent dans l'eau. Moi, parfois, je vais voir des amis Sorko derrière le fleuve. Je dis, où sont les enfants? Ils disent, ah, ça fait une semaine qu'ils sont dans l'eau, ils jouent avec les hippopotames. Je ne sais pas. Nous, on dit, ah bon, d'accord. Donc, elle est Sorko, elle est fille de Sorko. Elle dit, l'eau ne peut pas m'avaler. Donc, eux, c'est l'eau qui les protège. Elle dit même que, et ça, on le dit chez nous, quand ils ont un bébé, le bébé, on le jette dans l'eau, dans une calebasse, je crois, ou dans l'eau, pendant une semaine. Et après, on vient le récupérer pour qu'il vienne vivre avec les gens de la terre. Mais ça veut dire aussi que l'origine de l'humain, c'est l'eau. C'est l'eau. Nous, on vient de l'eau. Et c'est en ça que nos langues sont importantes, et même dans les narrations. Parce qu'en français, comment voulez-vous qu'elle dise ça? Je peux juste adapter ce qu'elle dit. Elle ne peut même pas le raconter. Donc, elle dit, je suis une fille de l'eau. C'est des voilà. Sorko. Ils peuvent vivre, ils peuvent vivre, je ne sais pas s'il y a des poches d'air ou quoi dans l'eau. En tout cas, ils te disent, ça fait une semaine qu'on ne les a pas vus, ils jouent avec les hippopotames. Mais on l'a ici, chez les Sawa. Hein? Chez les Sawa, il y a le Ngondo où les gens partent dans l'eau. Moi, je ne suis pas Sawa, mais j'écoute et je pense qu'on le fait aussi d'une certaine manière. Et donc, j'ai commencé peut-être avec l'eau, vous l'avez bien vu. On le pratique. J'ai terminé avec l'eau, parce que me le dire. Les gens ne voient pas forcément ça. C'est des petits détails. Parce que ce film, je l'ai construit comme une fiction. C'est pour ça qu'il a été dans les festivals de fiction, les grands festivals de fiction. C'est pas un documentaire classique où on parle, on arrête, on parle. C'est reconstruit. C'est un film. C'est filmé. C'est un beau film. Beaucoup de poésie et beaucoup de belle musique. Et je voudrais utiliser cette transition pour annoncer la présence dans cette salle d'une star de la musique, de Caresse Photo. Applaudissez pour elle. Caresse, sois la bienvenue. Mets-toi debout pour que tout le monde te voie.
c'est l'ambassadrice de l'UNESCO pour la musique, et c'est une Camerounaise. Merci Caresse d'être là. Applaudissez, hein, moi c'est, je ne savais pas que tu allais venir. Tu nous as promis d'être là et tu es là. Et je voulais enchaîner en disant, elle a commencé son film par une très belle musique, beaucoup de poésie, et ça dénote de ce qu'un beau film, c'est aussi une bonne musique. Alors qu'en dis-tu ? Toi, la star de la musique. Ah mais non, je me sens petite devant la grandeur de son film, la beauté, la poésie, ce à quoi ça nous a renvoyé. Pour quelqu'un comme moi qui est tellement rattaché aux racines, à notre vérité, à notre réalité, j'ai juste envie de vous dire merci, de nous mettre face à qui nous sommes réellement. J'étais tellement contente de voir que nos langues ont encore la chance d'exister, de perdurer grâce à des personnes comme vous. Moi, je ne pense pas que la mondialisation ou alors l'ouverture vers les autres doit nous faire oublier qui nous sommes. C'est en gardant notre vérité, notre authenticité qu'on saura mieux s'exprimer devant les autres et exister. Sinon, on va disparaître, se fondre dans toute cette masse et dans cette mondialisation. C'est notre différence qui fera de nous des personnes uniques. Et tu l'as démontré, hein, toutes tes musiques sont en langue. Oui. Et tout le monde chante. Exactement. Ah, mais c'est le gomme là. Voilà. À travers le monde, parfois les gens me disent comment tu fais pour chanter au Japon en ta langue. Ben oui, je dis, mais justement, c'est ma différence qui les interpelle. Oui. Applaudissez. Voilà. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Maintenant, moi, je vais revenir au film. Oui. Quand on s'est croisé à l'aéroport, je suis épuisée, mais j'ai dit je venais. Je suis fatiguée, j'arrive à peine au Cameroun. Je suis allée fouiller, j'ai dit mais c'est qui Ramatou ? J'ai vu le travail qu'elle a fait, j'ai dit exceptionnel, j'ai dit je ne peux pas manquer. Être là aujourd'hui pour moi, c'est déjà, c'est une école. Parce que je suis, je dirais, une arrachée du cinéma. La musique m'a volée au cinéma, au théâtre. Mais c'est par là que j'ai commencé. Elle m'a juste donné envie de revenir une fois de plus au cinéma. Mais tu es la bienvenue. Elle m'a donné tellement cette envie parce que le cinéma est en train de vivre ce que la musique vit aujourd'hui. On entre tellement dans le populaire qu'on oublie même l'essence, la vérité de qui nous sommes. Cette eau-là qui coule et qui nous rappelle d'où nous venons. Tell and be Africa, c'est pour ça que nous sommes là. Racontons-nous pour exister. Oui. Et moi aussi, à toi, ma tata, j'ai envie de te dire merci parce que c'est un grand risque, c'est tellement audacieux ce que tu es en train de faire actuellement. Merci, tiens bon. C'est grâce aux personnes comme vous que je me dis, je ne me trompe pas, je ne me suis pas perdue. Même si nous sommes cinq, nous allons reconstruire le monde et faire exister l'Afrique. Nous allons le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, tu vois, tu as des, hein, la transmission, elle est déjà faite, hein. Et on va continuer. Et c'est vraiment, c'est important, nos langues, nos cultures sont importantes. Et dans ce film, ce qui touche beaucoup aussi, c'est le quotidien avec tout ce rythme, avec la façon dont on va chercher l'eau, avec comment on fait la cuisine, avec parce que dans le Sahel, c'est la voix du muezzin qui rythme la journée. Moi, j'ai jamais fait un film sans mettre la voix du muezzin. Parce que c'est 5 appels à la prière par jour, c'est ça qui nous dit l'heure, c'est ça qui rythme la journée, c'est ça que... Et alors voilà, c'est notre poème. Culture. C'est nous. Et puis ce pont, on a un pont magnifique où les chameaux traversent à partir de 17h. La dernière fois, j'ai plus vu de chameaux, on m'a dit, ah, on va interdire les chameaux. J'ai dit, il faudra que j'aille voir le ministre de la Culture pour commencer l'ambassadeur. Il ne faut pas interdire les chameaux sur le pont Kennedy. Et sur le pont Kennedy, parce qu'à un moment, il y a un garçon qui passe avec un t-shirt. Derrière le t-shirt, il y a Tupac. Écrit Tupac Shakur. Et qui est un grand rappeur qui est mort, assassiné, il y avait peut-être 30 ans. Et qui est très admiré. Et le chef opérateur qui a travaillé avec moi, et donc quand il est venu voir au montage, et il dit, mais c'est flou, tu ne peux pas garder cette image, elle est floue.
J'ai dit, mais enfin, Philippe, tu ne te rends pas compte qu'on est sur le pont Kennedy et qu'il y a un t-shirt avec Tupac Shakur. C'est ça qui est important. Et les chameaux qui passent. Et les chameaux. C'est ça qui est important. C'est pas que c'est flou ou pas flou, parce que lui, avec son regard de caméraman, c'est poétique en plus. Voilà. Et voilà. Et c'est toute cette narration. Et puis avec amour, parce que j'aime nos cultures, j'aime mon peuple, enfin, j'aime nos langues. Et je crois qu'il y a aussi cet amour que je transmets, qui fait que. Et puis dans le film, comme toi tu dis, tu l'as vu trois fois, je crois qu'il y a plusieurs histoires dans le film qu'on découvre. Et c'est pour ça qu'on a envie de le revoir plusieurs fois. Je crois que je n'en ai pas encore assez, hein. Trois, c'est pas assez. On va le revoir une fois de plus encore. Écoute, je vais passer la parole à Edwige Nzoutap, documentariste. Edwige Nzoutap Yemmo, documentariste. Oui, à vous la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir au panel. Bonsoir à Tata Marie-Noël. Bonsoir à la star du jour, Omar Amatou Keita. Et bonsoir à notre cinéphile assidu. Bonsoir. C'est vraiment un honneur pour moi de prendre la parole ce soir pour plusieurs raisons. Je suis Edwige Nzoutap Yemmo, je suis documentariste. Parce que depuis un certain temps, je fais des films documentaires. Mais je suis parti de loin pour me retrouver là-bas. Et c'est aussi beaucoup plus par passion que je me retrouve au documentaire. J'ai laissé une profession bien rangée, bien classée pour me retrouver dans ce monde-là. Et effectivement, comme le monde des artistes, beaucoup se demandent si quelque chose ne s'est pas débloqué à un niveau dans ma tête pour que je décide de me mettre de ce côté. Et j'ai eu l'occasion aujourd'hui de regarder ce film. J'ai lu son résumé il y a au moins 10 ans. Je voudrais demander à Maman Ramatou, elle a parlé de la vie de Zalika. Vraiment, ce film n'a rien à envier à la fiction, parce qu'on a eu une histoire de bout en bout jusqu'à la fin. À un moment, je voulais me mettre à l'aise et je me suis dit que mais je vais perdre du temps, je vais rater des choses. Je préfère attendre jusqu'à la fin avant de me lever, parce que je ne voulais rien rater. Bien sûr. On ne dirait pas un documentaire. Maintenant, pendant les différents témoignages du documentaire, on a parlé de la vie intime de Zalika. Il y a, je crois, un des réalisateurs qui a dit comment elle a eu de la peine à se marier. Elle s'est d'ailleurs mariée sur le tard. Parce qu'on sait que chez nous, en Afrique, parfois, il y a un peu... C'est-à-dire, il y a des limites. Si après cet âge, si tu n'es pas mariée, c'est que tu as tapé poteau, quoi. Donc, on a parlé de ça. Et j'attendais voir les traces, en fait. Voir la tête de ce mari-là. De ce monsieur, de ce... Voilà. Mais... J'ai regardé, sauf si j'ai mal vu, j'ai pas vu le témoignage. Et tu veux savoir pourquoi ? Du mari. Et je voudrais savoir pourquoi elle a choisi de ne pas avoir ce monsieur à l'écran. Bon, laissons qu'elle réponde, parce que sinon, pourquoi tu as choisi que le mari de madame... Ah, c'est moi qui aurais choisi, mais pas l'actrice. Okay. Voilà, donc pourquoi ? Pour qui n'est pas apparu dans ton film. Je n'ai pas choisi. Moi, j'ai filmé le quotidien de toutes ces personnes-là. Quand j'ai commencé à avoir l'idée d'écrire ce scénario, c'est plusieurs années avant, parce que je vous dis, j'ai mis 8 ans à le faire, mais je crois que j'ai commencé bien avant à l'imaginer. 8 ans à le faire, c'est quand on a écrit le scénario. Parce qu'avant, ça marche dans la tête. Hein. Elle était déjà divorcée. Et les enfants qu'elle était, vous voyez bien son âge, elle a dépassé l'âge d'avoir des petits comme ça. Donc moi, quand je venais la voir, elle avait ses enfants qui n'étaient pas encore grands. Mais quand je suis venue filmer, les enfants sont devenus grands. Donc j'ai pris les petits qui venaient chez elle, ses petits neveux, des trucs et tout, pour mettre une famille. Mais elle avait déjà divorcé. Je pense qu'elle s'est mariée 2 fois. Elle a divorcé, voilà. Et puis l'histoire n'était pas l'histoire du mari, ni des maris qu'elle a eus. Et surtout, ce n'est pas l'histoire de Zalika.
je ne raconte pas l'histoire de Zaleka. Je raconte l'histoire de ce groupe de personnes à travers la carrière de Zaleka. C'est très professionnel, c'est la carrière, c'est pas sa vie privée. Hein? Donc, d'ailleurs, quand je viens la chercher un jour après la sieste, je tombe sur sa mère qui n'était pas prévue. Mais bon, on s'est dit, sa mère est là, on va lui... Et puis elle dit des choses extraordinaires. Exactement. Parce qu'elle dit, ben, c'est elle qui dit, on la mordait, on la battait. Après, on nous a dit, c'est un rouleau compresseur qui va tout balayer et que le monde s'effondre. C'est ça, c'est le livre de Chinua Achebe. Il faut lire, il faut se cultiver. Il faut se cultiver. C'est le monde, c'est notre monde qui s'effondre. Et marquer ces choses sur la pellicule, c'est déjà refuser qu'il s'effondre un peu, puisqu'on a cette mémoire-là. Et aujourd'hui, quand je revois ce film que je n'ai pas revu non plus depuis un moment, mais je me dis, mais les enfants qui ont... des gens qui ont 20, peut-être 15 ans aujourd'hui, je ne crois pas qu'ils ont encore à la maison des gens qui pilent le mille. Le mille de parce qu'il y a manière. Des machines maintenant pour écraser. Alors, moi, dans ma famille... On est vraiment élevé à l'ancienne et on garde tout à l'ancienne. On a toujours les pileuses. D'ailleurs, quand j'étais petite, c'est les hommes qui pilaient. Je ne sais pas comment c'est mis le basculement que les femmes se sont mises à piler. Donc, il y a des femmes qui viennent nous piler. Il y a le tisserand de la maison qui est une tradition ancienne qu'on ne trouve plus. Apparemment, tout Niamey vient commander chez nous parce qu'il y a plein de choses de cérémonie de tisserand. Et voilà, donc c'est ce que j'ai voulu montrer aussi. Et d'ailleurs, pour parler de nos langues et de traditions, vous voyez, quand elle dit, à chaque fois qu'on parle d'une année, d'une date, elle dit l'ère chrétienne. Exactement. Nous, quand on dit une date... On dit, là, on est le 16, hein, le 16 septembre, on va dire le 16, on va dire septembre, tout dans notre langue, et on va dire de l'ère chrétienne. Alors, ça veut dire quoi? Parce que quand j'étais à mon montage, il y a un copain, mais qui était l'assistant, et c'était un ami à moi qui est devenu l'assistant du film. Il vient dans la salle de montage, il est blanc, français, il me dit, oui, mais pourquoi tu mets toujours ça? Parce qu'une fois qu'on a compris la date, c'est bon. Je lui ai dit, non, ça fait un rythme. Mais après, quand je regarde le film, ça ne fait pas seulement un rythme. Ça montre qu'on avait une façon de calculer le temps qui a disparu. Et donc maintenant, quand on cite le temps de l'Occident, le temps des Blancs, on dit de l'ère chrétienne. Donc avant l'ère chrétienne, on avait notre façon de calculer les mois. Alors même si on l'a perdu, si on garde l'ère chrétienne, ça fait qu'on sait qu'on avait une façon... Parce que sinon, on va dire, mais ils ne savaient même pas calculer le temps. Ben, donc, c'est ça l'histoire. Mais il y a des envahisseurs qui l'ont effacé. Voilà. C'est ça l'histoire. Et je crois qu'il faut la raconter. C'est pour ça faut que c'est important. Exactement. Toutes ces petites choses-là qui créent votre culture. Vous savez, un peuple existe parce qu'il a une culture. Oui. Quand il n'y a pas de culture, il n'y a plus de peuple. C'est tout ce donc, qui reste quand on a tout faites perdu. Faites attention à ne pas dire, oui, nos langues, cinéma calbas, il y a un terme qui est passé, cinéma calbas. Mais la calbas, c'est la chose la plus belle au monde. Ben oui, on casse la calbas pour dire qu'on est amoureux. Ça, c'était très exemple, beau. J'ai aimé. C'est avec la calbas qu'on reçoit l'étranger qui oui. passe, on lui offre du lait, oui. on lui offre à boire. Pour faire une calbas, ça dure des mois. On prend le fruit, la citrouille, on ouais. casse, on sculpte, on fait sécher. Oui. Peut-être, selon la taille et tout, c'est magnifique. Alors, voilà. Moi, il n'y a que des calbasses dans mes films. On voilà. va revenir à ça. On va revenir aux calbasses, même si... Et c'est très beau, une calbasse. Ben, c'est très beau, c'est très beau. Ben, on va passer la parole à quelqu'un d'autre parce qu'on court après le temps. C'est vrai qu'il y a la montre et nous, on a le temps. Oui. Mais là, on court après le temps. On va passer la parole à Ibrahim Mamadou. Ibrahim Mamadou. Moi, je me nomme Ibrahim Mamadou, qui dit IB, secrétaire général des sports et de la culture de la jeunesse du Haut Conseil nigérien à l'extérieur. Enchanté. Je suis nigérien. Il y a les Nigériens ici. Les Nigériens dans la salle, ouais. Ah ouais, bravo. Ouais, bravo. Barka Dazoua. Barka Kade. C'est ça la culture. Applaudissements. C'est ça la culture, n'est-ce pas, Maramatou? Gonga. Bon, le film vous a fait quoi? Le film vous a fait quoi? Je suis dépassé, maman. Mais parlez, dites simplement ce que vous avez ressenti. En fait, d'abord, je suis fier de voir
Qui parle bien français ici? Non, vous parlez c'est ça, très bien. Parlez, nous on comprend, on comprend tout. To, quelqu'un va traduire. Voilà, c'est ce que je veux, c'est ça la traduction. Oh, to, c'est vrai qu'il était à Oussassani, il va traduire. Voilà, c'est ça la culture. Et Ramotu Barakarazoa, comment est-ce que je suis dans le forum chicken gagnant en tant que Nigérien? Je suis dans le forum chicken gagnant en tant que Nigérien. Écran. Yo, en Niger, tu as gagné. Aïe, Magana. Ramotu, soyez la bienvenue. Et il est fier de te voir sur l'écran, en public, devant tous les Nigériens, plus précisément le chargé d'affaires de l'ambassade du Niger, qui est présentement avec nous ici. Oui, et. Ramotu, en Niger, qui est tout en état du Kunkaïma. Ananan yara matasa masu dagowa baya gare mu nan da lokaci gaba lokacin da ke jira mu gaba Ramatu en tant que une Nigérienne Ibrahim m'aimerais savoir ce que vous avez prévu pour la jeunesse nigérienne ou bien plus précisément la jeunesse africaine. Bon, avant puis vous. Oui, vous avez fini. Ce que j'ai prévu. Avant que tu ne répondes, je voudrais qu'il me dise d'abord ce qu'il. À part dire que le film est beau, qu'est-ce que ça vous a fait? Dites quelque chose, parce qu'il faut savoir parler d'un film. Moi, je suis ici. On vous a amené un très beau film. Oui. Qui parle de vous? Est-ce que ça vous rappelle votre enfance? Qu'est-ce que ça vous a fait à part le où? Oui. Dites-nous. Wanga film ni. Il a me rappelé beaucoup de choses. Parce que ça, yau shekara kusan goma sha bakwai ban ga cinema ba hakan ga. Kenza n'a pas vu un film. Le film l'avait rappelé beaucoup de choses. Ça fait plus de 10 ans, il n'a pas vu cette culture. Ah, il a vous déjà êtes oublié la culture nigérienne ou bien la culture africaine. Mais applaudissez alors, elle vous a ramené ça. C'est ça, c'est le but d'un film. Et il a dit ça fait 15 ans qu'il n'a pas vu de film, quoi. Voilà, dans une salle, c'est ça. Il n'y a plus de salle. Oui, ouais, c'est ça. Ça fait plus de 15 ans que je n'ai pas vu le film Chicken et salle. Dans une salle, c'est important. Hein. Ce n'est pas les tablettes, hein, le cinéma. Oui. Ma deuxième question, chez Madame Ramatu. Ramatu, kuna rayuwa ene Chicken Niger, kokuma wajen Niger. Il demande que Madame Ramatu vous résidez au Niger, vous vivez au Niger ou bien à l'extérieur? Je bon. Suis les deux. Parce que je. Ben, voyez, tout mon travail, c'est au Niger ou au Sahel. Et si je maîtrise nos cultures comme ça, c'est que je suis bien beaucoup au Niger aussi. Hein. Et puis, je vis aussi en France et aux États-Unis. Merci. Merci beaucoup. C'est bon, deux questions, parce qu'il y en a d'autres. On est presque vers la fin. Yeah. Tout à l'heure, peut-être on vous repasse le micro. Donnez-nous une minute. Je voulais répondre pour les enfants. La jeunesse. Voilà, pour la les, question. Voilà. Ben, je pense que ce que je transmets, c'est les films. Voilà. C'est de se replonger dans ça, de savoir que nos cultures sont importantes, nos langues, et de se ressourcer. Parce qu'encore une fois, un peuple existe parce qu'il a une culture, sinon il est mort. Merci beaucoup. Léontine voulait réagir avant que je ne passe la parole à la salle. J'aimerais revenir sur un thème, enfin une thématique. C'est par rapport à nos valeurs, à nos pratiques, à nos us et coutumes. Lorsque dans le film western, on a parlé du jeune homme qui avait vraiment de la retenue, qui avait du mal à embrasser. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'avec l'Afrique... vraiment qui imite à tout va, il est encore possible d'avoir de telles valeurs, parce que pour moi c'est une valeur. D'être dans la retenue, c'est ça? D'être dans cette retenue, de s'abstenir, de montrer des scènes osées, parce que c'est lorsqu'on montre que ceux qui voient sont en quelque sorte encouragés. Est-ce que vous, en tant que réalisatrice, sachant que peut-être l'Occident nous impose certains critères, certains canons pour pouvoir nous apporter un appui hein, par rapport à nos productions, est-ce qu'il faut, il va falloir nécessairement transgresser, briser les tabous? Mais moi, je ne crois pas.
Parce que bon, chacun est libre de vendre son âme au diable. Moi, je ne crois pas. Parce que vous voyez, le cinéma indien, qui est le deux ou troisième plus grand cinéma du monde, ils ont leur culture. Dans le cinéma indien, on ne s'embrasse pas. Mais c'est aussi intéressant de que chacun raconte comment se passe l'amour dans sa culture. Et voilà, nous on vient d'un côté du monde où les gens sont très retenus, sont très pudiques. Et mon dernier film qui est un film d'amour, je raconte justement comment nous on s'aime chez nous sans que ce soit à l'occidental. Parce qu'on s'aime aussi. Hein? Donc, Merci, voilà. Merci. Il y a des gens qui veulent applaudir. Donc il faut garder son authenticité. Oui, je pense que c'est important. Parce que si on veut copier les autres, ça n'a plus d'intérêt. Vous savez, je ne pense pas que qui que ce soit pourra compétir avec le cinéma américain. Vraiment, c'est le plus grand cinéma au monde. Et moi, j'ai beaucoup de cinéastes américains que j'admire, que je respecte. Ils font un travail extraordinaire. Mais si on doit les copier, on ne les atteindra jamais. Jamais. Par contre, si on fait de façon authentique et sincère notre cinéma, on pourra même les dépasser. Tout à fait. Parce que ce sera dans notre sillon à nous. Mais si on veut les copier, ben voilà, c'est pas possible. On ne sera jamais mieux que de toute façon. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut arrêter de copier, qu'il faut arrêter de courir avec des gens qu'il faut copier et qu'on vous dit sans cesse, oui, l'Afrique est en retard de quoi ? L'Afrique n'est en retard de rien. On ne veut pas être comme les autres, c'est tout. On va à notre rythme. Bokombe Blaise, dans la salle. Oui, passez le micro, monsieur. Je me renomme monsieur Bokombe Bofola Blaise, de nationalité congo-démocratique. Dans la salle, ce n'est pas les Nigériens. Non, soyez le bienvenu, le Congo est dans la salle. Je suis le président de l'association Jeunesse Panafricaine pour la promotion de paix et l'unité. J'aimerais faire un témoignage pour ce film. Il y a longtemps, un jour, j'étais en train de dormir. Je voyais TV5 Monde. Parce que c'était une série qui passait beaucoup au TV5 Monde. Ça fait aujourd'hui 11 ans plus tard. Et aujourd'hui, j'étais informé que Ramatou Keita qui sera au milieu de nous ce soir. Et je me suis déplacé pour venir aussi voir le film comme j'ai... C'était avant, si c'était ça, ou c'est encore nouvelle édition. Et je suis arrivé, je vois même édition. Je suis très fier pour l'histoire du peuple africain. Parce que tout à l'heure, selon le slogan, le peuple sans histoire, c'est le peuple sans culture. Exact. Et ce soir, nous sommes en train de valoriser notre valeur, valeur de cinéma africain. Vraiment que l'actrice... S'il a quand même un message pour la jeunesse africaine, s'il peut nous donner un message pour la jeunesse africaine qui veut aussi devenir comme elle, l'icône d'aujourd'hui. Vous savez, même nous, entre nous, quand on parle de nous-mêmes de façon dépréciée. Quand on fait quelque chose qui ne marche pas, on dit « Ah ben c'est en Afrique, comment veux-tu que ça marche ?» On est les premiers d'en plus. On se dénigre nous-mêmes. Et effectivement, c'est l'image qu'on nous renvoie, comme quand on dit on est en retard de quelque chose. Vous savez, on est en retard. C'est un Africain. On est en retard de rien. Si effectivement vous voulez rattraper le cinéma américain, vous serez en retard. Mais si vous voulez faire votre propre cinéma, vous serez en retard de rien du tout. Vous allez donc il faut sortir de ce carcan, de ce complexe, de cette toile d'araignée qui nous inhibe et qui fait qu'on n'arrive pas à faire les choses alors qu'on a une richesse extraordinaire. Même quand vous prenez l'exemple de ce film Black Panther, qui est un film américain, qui est un peu le fantasme même de nos frères et sœurs déportés aux Amériques et qui ont triomphé, parce qu'il faut aussi voir, c'est des gens qui ont été réduits à moins que rien et qui triomphent, qui survivent, qui se libèrent, qui libèrent même les autres peuples du monde en les regardant. Eh bien, regardez comme Black Panther a marché, mais c'est parce que c'est des histoires authentiques, ça s'inspire des choses africaines, de reines. Alors, nous, on est des cultures de matriarcat aussi. Je ne sais pas en Afrique centrale si c'est le cas, chez les Bantous. Oui. Nous, c'est des cultures de matriarcat. Donc, même cette histoire d'amener des filles à l'école ou de ne pas amener les filles à l'école, il faut voir quelle culture nous a imposé ça. Parce que moi, mes grands-parents, mes parents, mes arrière-grands-parents, ils ont étudié. Hein. Alors, ils n'ont pas étudié le français, c'est vrai.
Mais ils ont étudié. Mais ils ont étudié. Ils lisaient, ils écrivaient. L'école coranique, par exemple, n'a jamais été interdite aux petites filles. Du tout. Par contre, quand la colonisation est arrivée, c'est eux qui ont empêché que les petites filles aillent à l'école. C'est comme ça que les filles ne sont pas allées à l'école. Et que les garçons sont allés à l'école. Mais le pouvoir des filles est resté toujours. Les femmes qui régnaient, quand on donnait le pouvoir d'une femme qui régnait à un homme, parce que l'Occident qui est un patriarcat, ou d'ailleurs l'islam qui est un patriarcat, on dit, l'Occident qui s'est mêlé de politique, ce qui n'avait pas été le cas de l'islam auparavant. Donc l'Occident dit, mais une femme ne peut pas régner, on va prendre son frère. Mais le frère, il ne prend aucune décision sans aller voir celle qui règne. C'est toujours la mère. Donc il faut savoir aussi comment, je sais pas, délier tout ça des uns des autres et voir d'où ça vient pour le corriger aussi. Mais merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Fatoumatou Seni. Je suis en classe de 3e. Oui. Votre film m'a vraiment plu et ça m'a montré que la femme peut faire tout ce que l'homme peut faire. Bien sûr, applaudissez pour elle. Hein. C'est très courageuse. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que auparavant, il n'existait pas d'actrice, mais que d'acteur. Et ma question est, est-ce le dernier film joué par Zalika avant qu'elle ne parte dans ce pays étranger comme le prétend ces derniers paragraphes du film? D'ailleurs, quand j'ai tourné le film, elle était déjà partie, donc j'ai dû la faire revenir, c'était très compliqué et tout ça, donc elle était déjà partie, mais quand elle est revenue après ces années à l'étranger où elle était devenue femme de ménage, quand elle est revenue, elle a retravaillé, elle a retourné dans des films. C'est pour ça que je dis les choses se sont comme... Elle est revenue et bon, je pense que les gens se sont occupés d'elle. Elle a retravaillé même au théâtre, même au cinéma. Elle a rejoué, oui. Mais avant de passer la parole à vous avez encore une question? Parce que ce qu'elle vient de dire, ça me ramène quand même au fait que Zalika, parce qu'on a l'impression que le cinéma, oui, on l'a dit tout à l'heure, c'est une passion. Mais il faut reconnaître qu'on peut vivre du cinéma parfois. Et elle a dit qu'elle a eu beaucoup d'argent. Oui. Peut-être que la prudence aussi, c'est de dire qu'il faut que nos acteurs, nos actrices et nos gens de cinéma sachent, comme tous les autres, faire un peu la fourmi. C'est-à-dire épargner pour les jours difficiles. Oui, ou investir, je pense que c'est pour ça que je dis rien n'est sombre. La gloire est un piège. Les choses sont équilibrées. Oui, la gloire est un piège. Oui. Elle était jeune, elle était très jolie. Oui. Elle a gagné beaucoup d'argent, elle a flambé. Mais tous les jeunes de 18 ans feraient ça. Flambé. Parce que même ceux qui aujourd'hui parmi nos cinéastes, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ceux de nos cinéastes qui sont morts misérables ou alors qui sont encore en train de vivre mais qui misèrent, parfois quand ils se rappellent leurs beaux moments. Ils vous disent comment ils avaient de l'argent. Oui, oui. Mais si tout le monde mange comme la cigale et puis ne pense pas au temps difficile, je crois qu'on va se retrouver dans la même situation. Oui, et puis il y a beaucoup de gens comme bon ça. C'est bon à savoir. Il faut investir. Il faut investir. Peut-être acheter une maison. Il faut je ne sais pas quoi. Il faut épargner. Je vais donner la parole à la représentante du Festival Yara. Je suis très contente d'être ici ce soir. Tu peux approcher le micro. Merci maman, comme je t'appelle souvent chaleureusement. Merci parce que tu es revenue chez nous. Oui, merci. Voilà. Moi, c'est Madame Chen Marisette du comité scientifique Yara. Je prends la parole ici en tant que membre de Yara, mais aussi en tant qu'experte à la matière de droit d'auteur, tout ce qui concerne le cinéma et autres. Voilà. Déjà, merci pour ces belles images parce que en formation, on nous a parlé de ces actrices-là qui ont eu à jouer gratuitement. Et on parlait du Niger. Mais là, j'ai vu ça de façon pratique. Et ça m'a vraiment émue parce que voir notre Afrique comme ça, avec les couleurs africaines, j'ai surtout apprécié la couleur, je veux dire la peau noire que j'aime bien voir dans les films, qui est de mieux en mieux, si je peux dire ainsi, dévalorisée. Parce que quand on regarde les images, il faut avoir une peau teintée. C'est-à-dire quoi une peau teintée? C'est-à-dire quand je dis peau teintée, on lave la peau, comme on dit souvent.
c'est ce qu'on voit dans les films. Ah oui. Donc quand je vois un documentaire comme ça, bio, je suis particulièrement touchée. Je ne dis pas que les femmes brunes ne sont pas africaines, mais on sait ce qui se passe. Donc merci beaucoup pour cette valorisation culturelle. Voilà. Merci. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire? C'est une contribution. Ces images qu'on voit nous montrent à quel point l'Afrique était un peu en arrière par rapport à la valorisation de l'œuvre cinématographique dans notre continent. Je tiens à informer ou rappeler que nos États ont pris conscience de cela depuis un certain temps. Les États se sont rassemblés pour mieux harmoniser la chose. Et comment ça? Dites-le pratiquement. Comment pratiquement, les États ont fait quoi? Pratiquement, moi je suis le plus produit de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle qui est juste là à côté. Et ils ont fait quoi? Où on apprend à gérer, à harmoniser les droits. C'est-à-dire que je vois, j'ai déjà eu à écouter tous ces gens-là qui font dans la culture. On fait la culture sans labourer le sol. Mm-hmm. C'est-à-dire on se jette, on se dit que c'est parce qu'on a une image, on la divulgue, ça fait de nous des acteurs, ici et ici. Il y a une manière de procéder. Donc moi, je prends la parole aussi pour dire aux jeunes, ceux-là qui veulent se jeter dans le milieu du cinéma, de se rapprocher aussi des professionnels. Oui. Le Niger fait partie des États membres et un État influent au niveau de l'organisation. Donc, on gagnerait à travailler ensemble. Vous rapprochez, comme vous êtes dans une association qui milite pour ce genre de cause, on valorise le cinéma, cinéma ancien, il faudrait que ces gens-là qui viennent vers vous se rapprochent également de ces experts qui vont mieux organiser. Parce que le cinéma ne se fait pas avec le droit général. Parce que quand je change avec certains, c'est bon. Ce qui se dit. Donc, c'est pour ça. Je vais essayer de dénouer un peu voilà. Ce que vous dites. Je crois que vous voulez vous apesantir sur le droit d'auteur. N'est-ce pas? Ou bien c'est le droit à la propriété? C'est pas le droit. Pourquoi vous évoquez l'OAPI alors? J'évoque l'OAPI pourquoi? Parce que désormais, le cinéma, on nous a appris à mieux gérer nos droits à travers le droit à la propriété intellectuelle, qui est un droit particulier au cinéma. Bon, je crois que c'est un large débat. On pourra en parler après. Mais merci de l'évoquer. Merci de l'évoquer. Merci encore pour ces belles images. Ouais. Merci de l'évoquer. On va en parler. C'est un large travail. Il y a 2 ans, j'étais invitée au festival Yara. À Yaoundé, et mon film Zinaria a eu le prix de meilleur réalisateur et prix de l'image. Et c'est applaudissez, c'est un beau festival camerounais. Ouais, c'est un festival vraiment très dynamique où on rencontre des gens intéressants avec très chaleureux. Ouais. Oui. Merci beaucoup. Merci. Alors, Léontine, un dernier mot parce que nous allons clore notre soirée. Le film, nous l'avons dit, moi je reviendrai sur l'authenticité. Vraiment, c'était des images fortes, des images vraies, d'une Afrique vraie. Et j'ai envie de dire, il ne faudrait pas que ça change. Bon, je sais que ça va changer parce que désormais le monde, c'est un village planétaire. Nous sommes ouverts, les réseaux sociaux et tout. Nous avons tout le temps envie de copier ce qui vient d'ailleurs, mais c'est réjouissant de voir que nous avons encore des valeurs à conserver, des principes. Et moi, je me dis vraiment, les jeunes gagneraient beaucoup à voir ce type de film. À voir et à revoir. À voir et à revoir. Merci beaucoup à toi. On va trouver le moyen de repasser ce film dans d'autres salles ou ici, en dehors de Ciné-Club, même pour partager. Ça, c'est une chose. Alors, effectivement, j'ai senti, et il l'a dit, l'homonyme de mon papa, que ça faisait 15 ans qu'il n'avait pas mis les pieds dans une salle de cinéma. Donc, c'est important de venir dans les salles de cinéma. Parce que voir le cinéma sur grand écran, c'est pas pareil que sur une tablette. Là-dessus, l'image d'ailleurs, je suis contente que vous ayez apprécié le film. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été des nôtres ce soir. Nous espérons vous avoir très prochainement demain, pourquoi pas, et lundi aussi. Et je voudrais vous souhaiter une très belle soirée en vous invitant, une fois de plus, à demain. Bonne soirée.